Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mailloux et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mailloux et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mailloux et José. Doc Mailloux, bon matin. José. J'aimerais vous dire, et je l'ai dit à l'équipe du matin, que votre Canadien-Français, là, votre expression Canadien-Français fait beaucoup réagir. On a eu... J'espère. Et on a reçu des messages, justement, de Franco-Ontariens qui voulaient que je vous le mentionne. Il y en a un, il s'appelle Christian, il dit « Merci au Doc d'avoir parlé des Canadiens-Français. J'ai grandi à Plantagenêt, en Ontario, et je suis un fan de votre émission. » Alors, voilà, Christian, le message est passé publiquement à part de tout. Il est important de prendre conscience de toute la diaspora hors Québec des Canadiens français. Je pense que c'est plusieurs centaines de milliers, sinon 1 million de personnes. J'ai aucune idée du nombre. Si quelqu'un le sait, prière de nous le communiquer. Oui. Mais je soupçonnerais facilement Nouveau-Brunswick, Ontario, Saskatchewan, Manitoba, Saskatchewan, surtout encore plus Alberta. Il y a beaucoup de villages canadiens français hors Québec. Et important de souligner, en Ontario, dans la région au sud d'Ottawa, du côté ontarien, très activistes, sont capables de se mobiliser, ouais, faire preuve de beaucoup de cohésion. Impressionnant. Ouais. Et là où je vais en venir, peut-être, dans un avenir rapproché, aurions-nous avantage à observer la cohésion sociale des Canadiens français hors Québec afin de s'en inspirer. Beau message de passé. Doc, oui. Ce matin, dans l'émission, c'est... en fait, c'est l'émission d'hier, moi, qui m'a inspiré le sujet d'aujourd'hui. Oui. Hier, ça a fait quand même beaucoup réagir, là, parce qu'on parlait des bénéfices à l'infidélité au niveau personnel et au niveau du couple. Quoiqu'hier, il n'y a pas eu aucune personne qui a téléphoné pour parler de bénéfices au niveau du couple. C'était au niveau individuel. On a une auditrice, entre autres, Véronique, qui nous a téléphoné. Et elle, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle exprimait, dans le sens que, elle, cette infidélité-là qu'elle a eue, ça lui a permis d'aller à la rencontre d'elle-même. Ça lui a permis de se connaître et de se sentir femme, ce qu'elle ne se sentait pas avant. Et c'était presque émouvant, là, son message. Puis, suite à ça, par texto, parce que c'est toujours par texto maintenant là, que les gens communiquent avec nous au 25226, c'est comme s'il y avait, c'était le yin et le yang, il y avait une dichotomie, c'était des commentaires très, très agressifs même, je dirais, à son égard. Puis il y avait d'autres commentaires comme « Wow, c'est exactement ça que j'ai ressenti moi aussi. Merci de l'avoir exprimé, Véronique. » Puis là, ça nous amenait à se dire, il y en a, là, puis c'est vous qui avez dit ça, tous les jaloux, là, tous les contrôlants possessifs un matin, ils doivent pas nous trouver drôle. Est-ce que tu savais qu'ils ont continué sur Sherbrooke à envoyer des courriels? Steve Arroy, ouais, l'animateur du matin. À Sherbrooke, m'en a parlé ce matin. Ben voyons donc. Ça a continué. Et... il y a des... Je les ai appelés les micros. Alors, il y a surtout des hommes qui ont déploré, ils ont trouvé le sujet insignifiant, ils se sont montrés ouvertement méprisants. Et j'ai référé à leur micro-pénis et leur micro-testicule. OK, il y a un lien, devant, oui, devant fréquenter des micro-brasseries. Mais vous pensez que on pourrait regarder de ce côté-là? Ben, ou de cet auteur-là. Oui. Mais moi, ce qui m'a interpellé, oui, surtout, c'est que sûrement que les gens qui ne l'ont pas pris comme ils auraient dû, c'est des gens qui sont pas capables de faire face ou qui se font pas confiance ou qui ont peur que ça leur arrive ou qui sont insécures ou qui sont jaloux et possessifs. Il y en a plein des comme ça. Puis le pire, c'est qu'ils sont en couple souvent, ces gens-là. Alors aujourd'hui, moi, j'aimerais ça m'adresser à des gens à qui on ne parle pas d'habitude. On parle aux jaloux. Ça, on a déjà fait des émissions. Expliquez-nous votre jalousie, d'où ça part, etc. Moi, j'aimerais comprendre. Et j'aimerais m'adresser aux femmes et aux hommes qui vivent avec des jaloux possessifs contrôlants.
Qu'est-ce que vous faites là? Comment expliquez-vous le fait que vous soyez en relation avec quelqu'un qui ne vous trosse pas? Avec quelqu'un qui ne vous fait pas confiance? Qui vous surveille? Qui vous espionne? Mais pourquoi vous endurez ça? Ouais. Ça, on va jamais là. Non. On n'est jamais allé encore. Non? Alors, encore une fois, en tout cas pour moi, mon information personnelle, pour puis en même temps, en parlant, ben ça va faire sûrement allumer des lumières à certaines qui sont peut-être là-dedans ou certains. Mais je vous demande sincèrement votre collaboration. Parce que c'est avec vos témoignages encore qu'on va pouvoir aller plus loin. Surtout Doc va pouvoir aller plus loin avec vous. Là. C'est à votre avantage, sincèrement, de nous téléphoner pour en parler. Alors, les anglophones ont une belle expression, « culture or nature ». Ça vient de la culture ou ça vient de votre nature profonde génétique? D'accepter les ça. Raisons, oui, les raisons pour lesquelles vous en tuerez un ça jeune. Ça peut être génétique. Eh oui. Eh oui. Les personnalités sont héritées par les gènes. Ben oui. Ça veut dire, ben, OK. Exemple, la mère était... je ne veux pas qualifier, là. Mais mettons, la mère a enduré un jaloux ou un possessif. Bon, ça peut être la culture familiale. Alors, dans la culture familiale, il est anormal qu'une femme s'écrase devant un homme jaloux. Dans la culture familiale, il était normal que l'homme tapis s'écrase devant une femme possessive et contrôlante ou jalouse. OK. C'est par l'exemple. Dans notre culture, énormément de femmes vont interpréter des élans de jalousie d'un homme comme étant un signe d'amour. Ben oui, je voulais y arriver tantôt. Il est jaloux parce qu'il m'aime. Jusqu'à temps que, parce qu'il m'aime, il me pogne, il me rentre dans le mur, il a mis ses mains sur ma gorge, il m'a poussé en bas de l'escalier, il m'a sacré un coup de poing, il m'a donné un coup de pied, etc., etc., etc. Il a menacé, si tu me quittes, je vais te retrouver et je te fais la peau. Oh! Ah bon? Mais là, cette raison-là, ça pourrait être facile à comprendre, c'est la peur, là. Alors, c'est ça, culture, nature, puis on va en ajouter un, l'intimidation. Ça, personnellement... Particulièrement chez les femmes. Je peux le comprendre, la peur. Oui. Mais il y en a qui sont jaloux. Là, c'est fatigant, là. Tu sais, aujourd'hui, on peut y aller dans l'extrême, des violents, des... Mais même un fatigant, là... Pourquoi endurez-vous votre jaloux? Ouais. Pourquoi endurez-vous? Même s'il n'est pas violent. Il y en a des jaloux qui ne sont pas violents physiquement. Mais c'est une violence psychologique, par exemple. Là. Pourquoi endurez-vous votre contrôlant? C'est une question qui est très intéressante, qui exige beaucoup d'humilité de la part de ceux qui nous écoutent, évidemment. Alors, l'humilité, c'est se voir tel comme on est. C'est pas s'humilier. C'est de se voir comme on est avec nos forces et nos faiblesses, nos talents, et nos aptitudes. Et quand je dis pourquoi endurez-vous votre jaloux, là, vous mettez deux genres comme. T'as sûrement remarqué que moi, votre jaloux puis votre jalouse, là, je ne fais pas ce genre de niaiserie-là. Alors quand je dis pourquoi endurez-vous votre jaloux, là, ça s'adresse aux deux genres. OK. Mais nous, on n'a pas pris de chance là, ce matin. On a marqué les deux genres hein, avec les parenthèses puis tout, là, pour être sûr que le monde comprenne bien qu'on s'adressait à tout le monde. Oui. Mais on va aller à la pause. Ça serait vraiment intéressant de commencer tout de suite avec quelqu'un qui pourrait nous en parler, parce que ça va donner du rythme. Là. Vous pouvez nous écrire aussi. Moi, je pense toujours que c'est bien plus facile de nous téléphoner quand la relation est terminée, puis de l'expliquer là, après un recul, pourquoi vous avez enduré ça, etc. Mais ceux qui sont dans la situation présente, je le comprends que ça peut être embêtant. Là. De téléphoner. C'est par délicat. Contre, on a le 25226 où vous pouvez nous écrire présentement. Homme, femme, êtes-vous avec un jaloux possessif contrôlant présentement? J'aimerais ça savoir ça. Oui ou non? Tout de suite, par texto. OK. OK? Actuellement, puis on évoluera à travers le sondage. Vous pouvez aussi nous l'écrire. Comment vous l'analysez? Pourquoi? Pourquoi vous demeurez là-dedans? Oui. Ou pourquoi vous avez demeuré là-dedans 5 ans? Oui, c'est ça. Okay. Mais j'aimerais vraiment savoir le présent.
Il y en a combien qui sont pognés là-dedans actuellement? Alors, texto 25226, le genre, l'âge et votre réponse. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, on s'adresse aux gens qui vivent avec des jaloux, jalouses, possessifs, contrôlants, contrôlantes. Là, je l'ai dit une fois, les deux sexes, puis après ça, je vais faire comme Doc Mayou, ça va être au masculin. OK? Alors, on veut comprendre pourquoi. Oui. C'est quoi vos raisons? Tu sais, au début, là, avant qu'on commence l'émission, j'avais déjà eu une auditrice qui nous avait écrit quand elle a vu la question par Internet. Là. Oui. Et elle dit, je crois sincèrement que les gens qui restent dans une relation avec des gens contrôlants, voire manipulateurs, ne s'en rendent pas toujours compte qu'ils sont manipulés ou sinon au contraire, mais ils souhaitent changer le partenaire. Malheureusement, nous savons tous que c'est impossible. J'ai eu à faire face à des manipulateurs narcissiques et c'est vraiment difficile de comprendre qu'on est manipulé. Bon. Deux volets... dans cette réponse-là, je crois sincèrement que ça, ce genre de croyance-là, on est en train de découvrir qu'il y a beaucoup de légendes urbaines associées à ça. Par contre, là, ce qu'on veut, c'est pas votre vision sociale de la problématique, parce que vous risquez d'être dans le champ beaucoup, comme tu l'as découvert et le mentionné hier matin. C'est hier matin ou avant-hier matin, lorsque tu as vérifié auprès de collègues. Ah oui. Qui ont amené des statistiques qui étaient, écoute, 20 fois. Ben en fait, je vais l'expliquer rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. C'est parce que je posais la question suite à notre question du jour hier. Là, c'est que on a découvert dans une étude que des femmes aussi pouvaient être infidèles. Mais à la question, est-ce que vous vous sentez coupable de cette infidélité-là? Là, j'ai demandé en pourcentage. Je pensais que c'est combien en pourcentage de femmes qui se sentent coupables. Fait qu'on a eu 60, 70, 80, alors qu'en réalité, c'était 7,2% seulement. Alors, clash, là, au niveau de la perception et de la réalité. Exact. Alors, notre conception de la femme, de son côté vertueux, de sa capacité ou de son incapacité de ressentir des émotions adéquates, de verser impunément dans la culpabilité et le regret... C'est une légende urbaine. Aïe aïe, fait mal, là. Ça a fait mal. Et ça a touché beaucoup de monde. Alors, je crois sincèrement que on met ça de côté. Madame, on veut savoir, vous avez vécu ça comment? Parce que ce qu'on va découvrir, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Bien, voulez-vous que je commence tout de suite avec quelqu'un qui est très rationnel? Oui. OK? Puis merci de le dire. Et je vais vous garder anonyme. Oui. Je fréquente un jaloux car je suis dans une situation précaire, insécurité financière. Mais c'est seulement pour un temps. Si vous saviez tout ce que je peux vivre. Attends, pour qu'on se comprenne bien, c'est une femme. C'est pour l'argent. Elle est en insécurité financière. Elle ne mentionne pas son âge. Fait qu'elle le garde, elle garde ce jaloux-là dans sa vie. Parce qu'elle est en insécurité financière. Et l'homme va payer pour elle. Il va la soutenir financièrement. C'est ça que... C'est ça. Ça ressemble à ça. C'est ça qu'on doit. Et dans quel groupe d'âge est-elle? Vingtaine? Trentaine? Quarantaine? C'est très dur à dire. Moi, j'ose pas insulter le monde. C'est une petite photo de profil que j'ai. Mettons 35-45 dans cette tranche-là. Bon, parfait. OK. Ça me va. OK. Alors, c'est pas une jeune femme de la vingtaine. Elle n'a pas 18 ans, là. Non. Puis elle n'a pas 70 non plus. Non plus. Entre les deux. C'est ça. Une femme adulte. Puis elle peut s'empoigner un autre suite, c'est une belle femme. Fait que... non, mais tu sais, des fois... En tout cas, tu sortes de raison, là. Alors, je ne croyais pas, honnêtement, je ne croyais pas que quelqu'un avouerait cette raison-là. Je le croyais pas. Mais je le sais que c'est pas rare. Parce que ça m'a été confié dans l'intimité de mon cabinet. Mais sur la place publique, je ne croyais pas entendre ça ce matin. Alors, ça part très bien. Merci, chère auditrice. Oui, on a un homme aussi. De la là. Confiance. Alors, allons-y. Homme, 28 ans. Oui. Je suis avec une femme jalouse et germaine, très dure. Oui. Mais elle est fidèle et sera une excellente mère, contrairement aux petites filles courailleuses. Là, par exemple, tu me déculottes. Je pensais pas entendre ça non plus. Là. Ben, moi non plus.
Non, répète-nous ça. On va tranquillement. Je vais avaler ma gomme, là. Oui. Homme 28 ans. Je suis avec une femme jalouse et germaine, très dure. Mais elle est fidèle et sera une excellente mère, contrairement aux petites filles courageuses. Quel micro-homme. Je suis renversé. Il est d'un mépris incroyable et là, on va y aller avec les connaissances dans le domaine. Une femme qui est jalouse et bosseuse avec son conjoint est un très mauvais exemple pour les enfants. Elle va être nécessairement, cher auditeur de 28 ans, une mère pourrie. Pourrie! Elle va vous être fidèle. Ça va s'arrêter là. Pour ce qui est de l'excellente mère, jamais impossible. Une femme qui est jalouse et germaine ne peut pas remplir son rôle de mère raisonnablement. Ben, elle doit être castrante pour les enfants, là. Relation avec sa fille, pourrie. Relation avec son fils, tout autant pourrie. Alors, cher homme de 28 ans, vous êtes dans le champ. Seul dans la boue, avec un gros marécage autour de vous. Mais je trouve que ça met en lumière aussi lui-même son manque de confiance en soi. Sa seule qualité, c'est qu'elle est fidèle. Tu penses, là? Ben, c'est un jaloux. Ben, c'est ça. Ça met en relief sa propre jalousie à lui. Oui. Il est jaloux. Et les hommes jaloux priorisent l'exclusivité conjugale. Au-dessus de toute valeur humaine, de tout épanouissement, de toute valeur parentale, de toute capacité parentale. Mais tu peux aussi ne pas être jaloux puis vouloir l'exclusivité dans le couple. Oh oui. Bon. Oh oui. Okay. Mais je comprends, oui. C'est de le mettre au-dessus de tout le reste. C'est ça, oui. Votre point, là. Puis c'est rien. De promoter le rôle maternel chez une femme jalouse et germaine. Aïe, 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 elle va écraser les enfants. Elle va surveiller toutes leurs relations. À l'adolescence, c'est le bordel. L'accaparation. Bon. Cher auditeur, vous avez 28 ans. Mm-hmm. Auriez-vous l'audace, le courage et la gentillesse de nous appeler? Je vais vous écouter. Je veux vous entendre, s'il vous plaît. Si c'est possible. Ça fait deux auditeurs hommes. Allons-y. Des jeunes qui écrivent. Là, je vais lire lui, je l'ai devant les yeux, là, mais j'ai eu un autre message par Facebook, même chose. Homme, 25 ans. J'ai eu une ex-copine qui me reprochait de ne pas être jaloux. Je lui ai dit que je n'embarquais pas dans ce jeu-là. J'ai fui cette relation au plus vite. Bon, c'est fréquent. C'est fréquent chez les jeunes femmes. Puis il y en a même qui font exprès, là, pour essayer de le rendre jaloux parce qu'il, tu sais... Définitivement fréquent. Fréquent comme comportement au Québec. Écoute, très interpellant, très contre-productif, très malsain, très toxique. Alors, cher auditeur, 25 ans, fort heureusement, vous parlez d'une ex-copine. Phew! Vous êtes vraiment, vous l'avez évité de justesse. Vous l'avez évité de justesse. Et c'est répandu. Je l'ai entendu. Il n'est pas jaloux, il ne m'aime pas. Oui, c'est ça. C'est ça qui vient après, souvent. Écoute. Parce que quelqu'un n'est pas jaloux dans la tête de ces femmes-là, je m'excuse de vous couper, là, mais tête de ces femmes-là, s'il n'est pas jaloux, c'est parce qu'il regarde ailleurs. C'est ça que ça veut dire? Parce que pourquoi? Non. Il y a plus que ça. Il n'est pas jaloux, c'est un manque d'intérêt pour moi. S'il me convoitait beaucoup sexuellement, il serait nécessairement jaloux. Un manque de convoitise, un manque de... Bon. Au Québec, on n'éduque pas les fillettes du tout. Je vous donne un exemple. La petite, elle a 9 ans. Elle arrive à la maison. Joséphine, je lui dis aujourd'hui
que si je n'étais pas sa seule amie, je ne voulais plus lui parler. Fréquent. Ça, c'est très fille, hein? Je dis fille, pas femme, là, mais c'est très fille, je pense. Alors que chez les garçons, c'est pas ça qui se passe. Chez les garçons, la jalousie survient 2 heures après la première copulation d'une femme. Le premier couit. Si vous n'aimez pas copulation, c'est trop vulgaire pour vos oreilles chastes, on va parler du couit. De la pénétration. Même les enfants, les jeunes de 14 ans qui sont à l'écoute, vont comprendre ce à quoi on réfère, parce que, chers amis, couit, pénétration, sont l'apanage de tous les mammifères. Y inclut les oiseaux. Alors, s'il vous plaît, ne me taxez pas trop vite de vulgarité. OK, fait que là, on voit les différences. Les jeunes filles, ça commence toutes jeunes. Puis les hommes commencent plus tôt après le premier coït, c'est ça. 8, 9 ans, on entend ça à partir de quoi, José? 9 ans, 9, 10 ans, 9 ans? Ah oui, oui, oui. Ben, d'après moi, c'était en commençant à l'école primaire, là. Si je ne suis pas ta seule amie, je ne veux plus te parler. Mais pour les jeunes filles, là, aucune enseignante ne va réagir. Mais il y a une cotation, il y a une hiérarchie, là. Tu sais, t'as amie, t'as la BF, puis t'as la BFF, là. Ça, entre filles, là, c'est comme ça. En tout cas, cette génération-ci, là, c'est la meilleure, l'amie, la bonne amie, puis la meilleure amie, là. L'exclusivité. Peu importe la gradation. Ça, c'est normal qu'il y ait des liens plus ou moins forts. Là-dessus, j'ai pas de problème. C'est l'exclusivité. Je t'ai vu parler à une telle. L'enseignante n'intervient pas. La mère n'intervient pas. Et où l'éducation de la gamine? Viens ici, toi. Viens ici, on va se parler tranquillement. On va discuter du respect de l'autre. C'est quoi le respect de l'autre pour toi, chouette? T'as 9 ans. T'es intelligente, là. Tu réussis au-dessus de la moyenne. C'est quoi le respect de l'autre? Ça mange quoi en hiver, ça? Mais savez-vous quoi? Je vais continuer là-dedans. Parce que je pensais vous relire d'autres messages, mais parce qu'il y en a plusieurs parents qui sont peut-être pris là-dedans. Non, mais vraiment. Est-ce que... José, elle fait la même chose, la mère. Elle n'est pas prise. Ben c'est ce qu'elle fait. Ben oui. Fait que l'enfant apprend ça de sa mère. Ben voyons. Ben c'est la question que je voulais vous poser. Ça se peut-tu des parents équilibrés? Ben tu sais, pas jaloux, pas possessifs, puis que l'enfant... Ben non. À moins que ce soit un enfant taré. Alors, culture, nature. Il y en a qui sont tarés. Alors, il y a un pourcentage d'individus... Un des deux parents qui est possessif, jaloux, là, ça peut déteindre. Ben, oui, ça peut. Il peut avoir... Il y a l'exemplarité, puis il y a des traits de naissance. Alors, tu peux avoir deux parents équilibrés, respectueux, qui ont une espèce de pas respectueux comme enfant, parce que il y a de la génétique de pas respectueux des deux côtés. OK. Ah, c'est génétique, ça. OK, on va poursuivre, parce que je voulais vous lire un message avant d'aller à la pause, OK? Oui. Parce que... Hey, c'est le fun. L'homme qui nous écrit de Rimouski, oui. Il n'a pas compris tantôt votre explication. Lui, il dit, mon ex était tellement jalouse que lorsque je travaillais tard ou que je sortais avec mes chums, elle menaçait de se suicider à tout coup. En plus, elle n'était même pas cochonne. Mais est où votre réponse à notre question, pourquoi vous êtes resté avec? Bon. C'est ça qu'on veut savoir ce matin. Le problème est fréquent. Dans la nation canadienne française. Mais en plus, si on... C'est écrit clairement, là, même sexuellement, ça ne marchait pas. Oui, mais... Fait que c'était quoi l'avantage? Et c'est-à-dire, il y avait vraiment une intimidation, là. Dans beaucoup de relations, la menace de suicide, surtout chez les femmes, est très présente. Chez les hommes, c'est plus la menace de lui sacrer une volée puis d'y faire la peau. On va là à la pause. Merci de nous écrire, mais là, on veut vous parler quand même. Oui. Bon, là, ça fait une demi-heure qu'on fait du placotage, qu'on vous lit. Là, on veut parler.
Alors, réservez votre circuit téléphonique. Parlez-nous du passé, de votre analyse. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous êtes pris dans un pattern aussi? Il y en a qui sont pognés là-dedans. Ils se posent tout le temps. On a déjà fait une émission là-dessus. Oui. Ils reviennent toujours dans ce genre de relation-là. Alors, si vous voulez tenter de comprendre pourquoi, ben, parlez au doc. Alors, on vous invite à réserver votre circuit téléphonique. Nous, on va aller à la pause, mais continuez aussi de nous écrire au 25226. Oui. Surtout ceux qui le vivent présentement, là. Pourquoi vous restez là-dedans? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayhew et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault, au réseau Cogeco. Êtes-vous capable de comprendre avec le recul pourquoi vous avez enduré un homme ou une femme jalouse ou jaloux? Qui vous contrôlait, qui vous espionnait, qui ne faisait pas confiance. Vous avez enduré ça combien de temps aussi? Tu sais, il y a une différence entre tu t'en rends compte après 3 mois, puis un coup tu t'en rends compte, tu sacs ton camp, là, ou entre le vivre 5 ans. Comment vous expliquez cette situation-là? Et vous avez pas raison, on va les respecter. Raisons financières, qualité qu'elle a, beauté, en tout cas, il y a toutes sortes de raisons. Il y a toutes sortes de raisons. Statut social, standing, les voyages. Et aujourd'hui particulièrement, Doc, les jeunes nous écrivent. Hein? Oui. Bon, on va les lire. Ben c'est, oui. C'est passionnant. Oui, parce oui. que, José, t'as lu 4 textos. Les 4, je les ai entendus à maintes reprises dans mon cabinet. Il y a personne ici. C'est gênant d'appeler puis de s'avouer ça. De façon anonyme, les auditeurs sont extraordinaires. Puis vous continuez, puis on, si c'est ça, on va vous lire, puis je vais commenter. OK. Je vais lire un message. Oui. Je suis un homme de 21 ans. Oui. Ça fait 2 ans et demi que je suis avec ma copine et je sais qu'elle me manipule. Et lorsque quelque chose ne fait pas son affaire, elle me menace d'écrire à tout mon entourage pour leur écrire des bêtises, ce que je ne veux pas. Alors je fais ce qu'elle me dit pour ne pas faire de peine à mon entourage. Et je crois que je reste avec car j'ai espoir qu'elle change. Je n'ai plus le droit de voir aucun ami et ça prend tout pour voir ma famille sans qu'elle chiale. J'aimerais bien savoir ce que Doc Mayhew en pense. Qu'est-ce que, José, qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Bon, maintenant, cet homme-là, cher 21 ans, si vous appelez, on va découvrir quelque chose qui va être important pour vous. Il y a quelque chose que vous ne vous êtes pas dit dans cette relation-là que vous auriez avantage à vous dire. Et la première chose que je vais vous demander, c'est est-ce qu'elle est belle? Un. Deuxièmement, rapidité et fermeté d'érection avec elle par rapport avec d'autres que vous avez connus. Mais ça coûte cher, ça. C'est au détriment de voir ses amis, puis au détriment de voir sa famille. Puis... Et José, il n'y a pas grand-chose de gratos dans la vie. On vous entend taper du pied. Mais... Il n'y a pas grand-chose de gratuit. Mais savez-vous ce tout que, ça paye. Que moi m'interpelle là-dedans? Oui. Il veut pas faire de peine. Si elle dit des choses pas vraies à son égard, moi, j'espère que si ma fille arrive un jour puis qu'elle a un chum, admettons, qui invente des affaires sur elle, que je connaissais ma fille pour savoir que ce qu'il invente ben ou oui. pas. Ben oui. Fait qu'il doit pas avoir un lien très, très fort avec sa famille, là. Ça dépend. Alors, il est soumis à chantage. Il tolère, depuis 2 ans et demi, le chantage de sa copine, de sa compagne de vie. Ouais. Alors, appelez-nous, ça serait intéressant. Si possible. On pourrait aller plus loin. Oui. Là, on va aller oui. à Trois-Rivières. On va parler avec Sophie. Bonjour. Bonjour. Sophie. Oui. On vous écoute. Ah, ben moi, j'ai connu 3 maris comme ça. Des espèces de malades, là, que tu vois à l'épicerie, puis ils te demandaient, ça va-tu prendre bien du temps à y aller, là? Et comment ça va te prendre de temps à aller là? Et là, je disais, s'il y a 3-4 commères avec des coupons, là, je suis pas responsable de ça, ça va prendre du temps, ouais. Ou si tu travailles à 5h05, faut que tu sois chez vous, mais tu pars de la job à 5h. Là, t'es timé, ton kilométrage est checké, t'es malade dans la tête, là, tu sais, là. Puis j'en ai envie. Attendez, allez pas trop vite, Sophie.
kilométrage checké. Ça veut dire... checker mon kilométrage le matin et puis checker le soir quand j'arrivais. Sophie, ce n'est pas rare. Merci de le dire. Merci de le dire. En fait de ça, moi, allez-y, continuez. Ils disent tout le temps, quand ils t'ont eu, là, t'étais la plus belle femme du monde. Mais pas long après, là, t'es trop maigre, tes seins sont pas assez collés ensemble. même quand t'as pas de brachette, tes seins sont supposés être collés. Le cave de cave, là, c'est pas des fausses en hélium que j'ai là. Mais en tout cas, j'avais rien de défaut là, mais en tout cas, tu réussis à croire ce qu'il dit. Tu vas au magasin, tu regardes les livres de Playboy, tu dis, ben voyons, je suis pas infirme, moi, là, mais il te le rentre dans la tête bien creux, là, bien creux, là. Puis, à un moment donné, là, tu te dis, la jalousie qu'il y a, là, c'est parce que lui, il fait. Fais pas ce que je fais, c'est ça que ça veut dire. Fais pas ce que je fais. Parce que c'est ça qui est arrivé aussi. J'allais dîner, là, il était dans le parking, là, au bord de la rue, je voyais son devant de char. Je regardais, tiens, là, il regardait ce que je suis allé dîner. Là, le soir, quand j'arrivais, il disait, puis, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Mais il savait, là. Je disais, fallait que je dise la vérité parce que je savais j'avais vu char. Bon, ben, je suis allé chez Nicole, on a trois, quatre filles, puis il y avait des gars, là, des travailleurs avec moi, mettons. Il dit, je le savais. T'as mangé chez Nicole, t'es resté tant de temps. Hey! Ça, là, c'est empoisonnant. Là. Puis quand je parlais à une fille, là, j'allais voir ma chum, vous avez parlé de quoi? Mais voyons donc, vous avez parlé de quoi? Puis t'as tout le temps des questions, là, où il t'étouffe avec la corde de ta jaquette. Mais Sophie, vous allez me répondre à quelque chose. En plus, vous n'avez pas eu un, vous en avez eu trois que vous nous avez dit. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que, mettons, ça fait 25 ans avec le pire, là. Tu finis par le croire, puis... À force qu'il te dit que t'es lettre qui est mal faite, puis ça, puis c'est pas vrai pantoute, là. Tu te regardes dans le miroir, puis tu te dis, bon, ben là, je suis rendu à 50 queues, je pognerai plus, il a raison. Mais il a pas raison. Mais tu te rentres ça dans la tête. Mais jusqu'au moment donné, ce que tu dis, garde-là, j'en ai assez, je fous le camp, puis c'est ça que j'ai fait, là. Mais, t'as 11 ans, je suis seul, là. Je veux plus m'approcher un parce qu'ils font tout ça. Les hommes de 50 ans aujourd'hui, là, avec le bout d'oreille puis les petites mustangs rouges pratiquées, puis la petite calette la palette à l'envers, là. Ça, c'est la gang de morons, là. Ils veulent avoir une fille avec de l'hélium jusqu'aux oreilles puis la promener au bout d'une corde, là. C'est des malades. Je paye 138, je mesure 5 et 8, je suis une belle femme encore, puis je le sais. On va juste faire attention de ne pas généraliser, là, parce que des hommes de 50 ans qui ont de l'allure, là. Je parle, oh, il y en a qui ont de l'allure, là, mais les 8 que j'ai connus en parlant, c'était assez. C'était assez. Ils reviennent tout le temps. De toute façon, tu te méfies de tes autres après. Fait que t'es porté à les mettre dans le même panier parce que aussitôt qu'il y en a un qui va dire une connerie comme genre le dernier j'ai eu, t'as trop des petits poignets. Qu'est-ce que c'est ça? Il y avait un Harley, le gars. Sophie? Il cherchait un Joe bras de fer pour tenir son bicycle. Je sais pas, là, mais. Un câble. Oui, Sophie. Puis des têtes brûlées, il y en a partout. Sophie, merci de le dire. Vous avez décrit un pourcentage d'hommes qui existent vraiment. Alors, les éléments importants de votre dénonciation aujourd'hui, de votre expérience personnelle, c'est minuter la compagne, la suivre, exiger des comptes rendus, sinon, violence physique, étouffée avec le cordon de la jaquette. Et menace... Ouais, ils t'accotent dans le mur, ils te mettent la pointe sur l'estomac. Hey, regarde, c'est wow. Oui. Parce que je mettais des rallonges après mes cheveux, j'allais travailler. Mais ils te les enlevaient, les rallonges, puis pas à peu près, là. Sophie. Fait que lui, tout, je l'ai... Donc, en fin de compte, j'ai mis dehors les trois. Sophie, merci c'est ça, d'avoir pasteur, le courage ben, j'ai peur de le dire. Et soyez sans crainte. J'ai peur d'eux autres après. Ben, avec raison. Avec moi, raison. Vous avez mis votre vie en danger. Il y a des hommes, il y a un pourcentage d'hommes... Oui, les policiers me l'ont dit, j'ai mis ma vie en danger. Il y a un pourcentage d'hommes dangereux. Je ne connais pas le pourcentage, mais je l'ai tellement entendu dans mon bureau et à la prison. Il y a un pourcentage d'hommes qui sont dangereux pour les compagnes. OK? Merci beaucoup de votre Merci appel. Merci de le dire. Merci, Sophie. Ce n'est pas tous les hommes, mais il y a un pourcentage significatif. Y a-tu, et en tout respect, vraiment, j'insiste, là, mais c'est pour faire avancer le sujet... Y a-tu des femmes qui ont un détecteur défectueux, tu sais, pour parce
un, deux, trois. C'est pas le détecteur, c'est la tolérance. Ils ont une plus grande tolérance. Trop de tolérance parce que c'est graduel. Ayant grandi dans la violence, dans l'abus, dans le dénigrement... Ça, on n'y a pas posé la question, mais la question pourrait se poser. D'un des deux parents, l'adulte devient indûment tolérant aux abus, au dénigrement. Tu sais, l'histoire des seins passés collés, poignets trop petits, ça n'a pas de fin. C'est tout vrai, ça. Sophie, là, c'est pas une caricature. C'est une femme qui existe. Oui, elle a été vulnérabilisée, jeune. On n'a pas exploré ça, mais je peux vous l'assurer. Et moi, là, je suis dans mon nuage de Kalinours encore. Oui. Je me dis, un homme qui est rendu à te checker à grosseur des poignets, il t'aime pas, là. Oui, mais... Tu sais qu'un homme, là, je vous le dis, je suis fleur bleue, Non, c'est pas ça. Mais un homme qui t'aime... Il va faire tout pour que tu sois épanoui, que tu t'aimes toi-même. Mais les autres, ces morons-là, les a tout dit, là. Ils faisaient tout pour la dénigrer, puis ils enlevaient confiance en elle. Oui, c'est que Sophie nous l'a expliqué. Dans le processus répété de dénigrement, se produit une perte de pouvoir de la personne. Une régression, un écrasement, une servilité, au point, j'ai vu dans certains cas, quasi d'esclavage. Et je n'exagère pas. Les hommes jaloux peuvent réduire la compagne à un véritable état d'esclavage. Tout à l'heure, l'homme de 21 ans, là, c'est mal parti. Oui. Elle est en train de l'isoler socialement. À 21 ans. Elle le fait chanter. L'autre, celui de Rimouski, elle menaçait de se suicider. Aïe, aïe! Mais l'homme qui dénigre tout le temps la femme pour y enlever sa confiance, c'est parce que... Ça me fait penser, ça. Puis ça fait des années et des années, c'est pas ici, là. Mais il y a certains patrons, là, ils disent jamais à leurs employés qu'ils sont bons. Maintenant, on va demander une augmentation de salaire. C'est ça. Ben, un homme... qui ne valorise pas sa compagne ou qui la dénigre, c'est peut-être parce qu'il a peur que ça se trouve belle, elle va aller voir ailleurs. Définitivement. Ça, c'est un des mécanismes, une des motivations les plus fréquentes, ce que tu viens de dire. Alors, son histoire, écoute, Sophie, une femme de cinquantaine, 138 livres, 5 pieds 8, là, on convient que c'est un poids idéal. Alors, cette femme-là maintient un poids idéal. Petit pourcentage de la population féminine. Pardon? Petit pourcentage de la population féminine à cet âge-là. Oui, et sa beauté, à cet âge-là, fait capoter les hommes de 50 ans. Parce que elle plaît, elle est belle, elle va être courtisée, elle va être approchée. C'est sûr, messieurs, qu'à 50 ans, 138 livres, 5 pieds 8, il y a des hommes qui vont la regarder. Je peux vous l'assurer. Doc Mayou, là. Oui. Aimez-vous ça, être avec une belle femme? T'sais, légèrement. Non, mais sérieusement? Oui. Tu sais, les goûts sont dans la nature, là. Tu sais, chacun ses goûts, je suis bien d'accord, là. Moi, je le trouve beau, mon mari. Puis, s'il y en a d'autres qui le regardent, ça me rend fière. Non, mais c'est vrai. Bon, t'es pas jalouse. Non, mais ça me rend... Ça me rend fière. Oui, t'es l'antithèse, t'es le contraire de mais la femme. Ça devrait être ça. Ben oui. Un homme qui est avec une belle femme, au lieu de la dénigrer, il devrait bien plus se dire, « Hey, c'est moi qu'elle aime. On est ensemble. Regardez-la, appréciez-la, mais... » Je vais plus loin. Se considérer comme privilégié. Une belle femme ardente sexuellement... accorde à son partenaire un énorme privilège. On va aller à la pause au retour. On s'en va à Alma, Doc. Okay. On va parler avec Danielle. Elle en a connu deux jaloux. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
Donc, au téléphone, c'est plus tranquille, mais par texto, par Facebook, c'est fou. À quel point? On vous entend pas? C'est fou. OK, là, vous êtes là? Oui. OK, un petit nouveau, là. Hein? Benjamin, là, on va te guetter. Là. Non. Mais oui. C'est fou à quel point on a des messages. Là. Oh, c'est sûr, j'aurais pas le temps, malheureusement, de tout vous lire, mais ça m'inquiète en même temps. Dans c'est quoi sens? Le pourcentage de la population qui a un problème de jalousie, de possessivité et de contrôle sur les autres? Il est gros. Hey, moi, ce matin, là. Et on dépasse, j'affirme qu'on dépasse facilement le 30%. On est-tu proche de la moitié? C'est-tu une personne sur deux? Oh, ça se pourrait. Alors, ça demeure être mesuré, être quantifié. Mais le phénomène de la jalousie conjugale ou la jalousie dans les fréquentations, peu importe. Fréquentation vie commune, là, c'est élevé. Écoute, j'aurais peur qu'il soit majoritaire à des degrés différents. Un peu. Mais c'est ça, les fatigants que j'appelle. Un peu. Puis les moyens. C'est ça. Et sévère. Mais écoute, Sophie en a pincé trois. Il y en a. Je vous le dis qu'il y en a. Là, on a Daniel à Neuil 2, elle. Bonjour, Daniel. Bonjour, José. Je t'ai dit que tu m'as piqué le derrière tantôt. Oh! Quand alors... t'as dit qu'on avait un détecteur qui faisait défaut. J'ai posé la question, je ne l'ai pas affirmé, Daniel. Oui, mais moi, je l'ai entendu. Ça m'a répondu et c'est pour ça que j'appelle. Allez-y. Le détecteur, là, si on a tout un détecteur, si c'était détectable comme le monde pense, on est. Moi, je suis une femme très intelligente, très allumée. Mes deux jaloux, ils ont eu deux techniques différentes que je l'ai pas vu venir nécessairement. Longez-vous. Le premier, le père de mes enfants, le temps qu'on s'est fréquenté quand même 4 ans, on était jeunes. Oui, il y avait des petits gestes de jalousie, mais à l'époque, moi, c'était tellement des beaux gestes d'amour qui tenaient à moi. Il n'y avait rien de spectaculaire et ça ne serait pas battu. Mais te coller un peu plus fort quand il venait un gars genre en notable. Ben, là, je me sentais importante. Mais ça, c'était comme, hey, c'est plaisant. À la minute qu'on a été mariés, c'est comme si qu'on avait pris l'intérieur du gars que j'ai marié ou qu'on l'avait changé pour quelqu'un d'autre. Il y a juste l'extérieur qui est resté, l'enveloppe. Là, il est devenu... Mais ça, c'était goutte à goutte. Plus contrôlant, plus inquiète. Puis là, je me disais, hey, il m'aime, hein? Il m'aime encore bien plus. Et là, l'enfant arrive et là, c'est... Moi, je me considère comme une souris. Il y a une trappe à souris, ben, va pas te mettre la face sur le fromage. Quand la trappe est tombée, là, puis t'es pognée, là, là, tu rentres dans tu rentres dans une vie où tu n'as plus de vie. Daniel, parce que là, Daniel, oui, qui a décidé, a suggéré le mariage et qui a suggéré la grossesse? Ben, c'est moi qui ai suggéré le mariage après 4 ans. Parce que là, il avait peur de l'implication financière, puis il était très insécure financièrement, puis il gagnait des bons salaires, puis moi aussi. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, garde, là, il faut se décider, on se laisse ou on se marie. À l'époque, c'était impossible de rester ensemble, ça se faisait pas. D'une petite place comme ici, ça fait qu'on s'est mariés. Okay. La grossesse, c'est la société veut qu'après un certain temps, après 3 ans, c'était Daniel, normal, là, d'avoir Daniel, un enfant. Daniel, l'autre société. Qui a parlé au début, qui a insisté le plus sur la grossesse? C'est lui. Merci. Hey, ça prend du temps. On finit par accoucher avec Mayou. On avait un entourage qui était... José, c'est à cause de l'entourage. Non, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis qu'on avait quand même une pression. Hey, j'avais déjà 3 ans, vous êtes mariés, vous n'avez pas encore d'enfant. Maintenant, tu dis, ouais, c'est vrai. Hein, Daniel, pour être dans notre sujet d'aujourd'hui, là, après combien de temps que vous êtes rendu compte qu'il était jaloux? Que vous l'avez enduré par la suite. Ben, je peux comprendre qu'au début, là, vous savez quoi? Moi, vous en comptez un. Je devais avoir 20 ans, puis j'ai rencontré un gars. On était en char, on était sur l'autoroute, puis quand je regardais les autres voitures, il me disait, coudonc, veux-tu j'arrête? Veux-tu le Frenchie? Tu veux-tu être avec? Fait que, tu sais, je n'ai rencontré un gars de même, sauf que moi, je ne l'ai pas enduré, là. Mais vous, là, vous l'avez enduré combien de temps? 15. Mais pourquoi? C'est ça notre question? C'est parce qu'à un moment donné, là, moi, comme je suis faite, je me disais, ça se peut pas. Il va bien réaliser qu'il n'y a pas à être jaloux, qu'il n'y a pas à être contrôlant. Puis là, le contrôle embarque. Daniel, oui? Vos salades, là, gardez-les pour vos copines.
Alors, José vous a posé une question. Faites-vous aller l'intelligence. Vous vous êtes décrit comme très allumé, très intelligent. Là, oui. Vous ne l'êtes pas. OK? Alors, un effort, s'il vous plaît. Vous l'avez enduré 15 ans. Pourquoi? Parce que je pensais que je ne valais pas mieux que ça. Bon, merci. En quel honneur que vous pensiez que vous ne valiez pas mieux que ça? C'est parce que toute ma vie, on... Moi, ma mère, là, elle ne m'a jamais valorisée. Puis avec cet homme-là, je me sentais valorisée. Alors moi, le quitter, là, hey, tu sais, écoute, c'était impensable. Impensable parce que il m'a jamais dit que j'étais belle, il m'a jamais dit. Il me disait tout le temps que j'étais pas intelligente. Il me disait pas que t'es pas intelligente, il me disait que t'es pas assez intelligente pour. Alors moi, là, je pars de loin, là. Je pars de loin. Puis tu sais, quand t'es embarqué dans un bateau, là, ben plus le bateau est gros, plus t'as des enfants, plus la maison est grosse, plus toi tu rapetisses. À un moment donné, t'es petit en maudit que t'as sauvé de ce gros bateau-là. Bien dit, Daniel. Ouais. Fait qu'il a fallu que je me reconstruise pour le quitter. Non, pas vous reconstruire, vous construire. Mais en plus, ouais. Vous l'avez quitté, vous avez réussi, puis vous êtes tombé sur un autre. Ouais. Puis lui, vous l'avez enduré combien de temps, lui, l'autre? Un an et demi. Bon. Okay. Alors, racontez brièvement. Il y avait quoi comme travers? Oui, qu'est-ce qu'il y avait comme travers, lui? Lui, ça paraît. Lui, sa technique, ça a été, écoute, il m'a fait parler, il s'est rapproché très près de moi, puis c'est un homme qui parlait beaucoup, contrairement à l'autre. Et il avait jamais fait de signe de jalousie jusqu'à temps qu'on vive ensemble. Non. Et lui, quand la porte a fermé, lui, c'est un violent en plus. Ah. Dès que j'ai fait une affaire, je comprenais même pas pourquoi il était fâché. J'en ai mangé une maudite. Qu'est-ce que vous voulez dire par j'en ai mangé une maudite? Ben, il m'a battu violemment. C'est-à-dire? Pour une affaire simple. Il m'a pris par les cheveux, il m'a soulevé de terre et il m'a cogné la tête après les portes d'armoire. Comme ça, j'ai jamais eu de trace, mais ça fait mal à maudit. J'étais une semaine sans être capable de me coucher de chaque côté de la tête. C'est-tu là que vous êtes partie, Daniel? Oui. Je suis partie après un certain temps parce qu'au début, tu niges, ça se peut pas. C'est moi qui n'ai pas été correct, ça se peut pas. Mais lui c'était l'extrême parce que je voyais dans ses yeux que des fois il y avait des fils qui se touchaient, là je le voyais là que c'était. Et moi je ne me défendais pas. Parce que inconsciemment, je me défendais pas parce que à un moment donné, il a pris mes mains pour que je le batte. Parce que ça le choquait parce que je me défendais pas. Mais je savais qu'il fallait pas. Je sais pas pourquoi je le savais, il fallait pas que je me défende. Vous avez été, c'est vrai que vous êtes brillante. Parce que il vous aurait tabassé trois fois plus. Ouais. Vous en auriez mangé une maudite. Puis quand je suis partie après des menaces de mort, puis oui. Je le savais qu'ils m'auraient tué. Je le savais. Oui. Merci, ouais. Daniel. Merci, Daniel, de la confiance. Bonne journée. Je vous ai brossé un petit peu, mais ça, je pense que ça valait la peine. Ben, on a eu des réponses oui, intéressantes. Parce que, ben oui, on a plongé dans autre chose. Oui. On va aller à la pause, Doc, au retour. On va parler avec Joanne, mais juste avant, là, je vais vous lire un message. Oui. Mon chum se sert beaucoup de la culpabilité quand il est jaloux. Je suis étudiante. Je travaille dans le domaine des relations humaines et dès que j'ai un nouveau projet ou que je m'inscris à des cours en début de session, il me dit que je néglige notre couple ou la maison, qu'à cause de moi, on ne peut pas faire ci ou ça, que je travaille 8 heures semaine ou 30, c'est la même histoire. Pour mes cours universitaires, là, c'est l'aspect financier. Si je ne bois pas dans une soirée, il me dit que je ne voulais pas vivre la soirée avec lui. Si je bois et que j'ai c'est pas correct non plus. Je commence à trouver qu'il ressemble à sa mère et j'y pense à la séparation parfois, même s'il est drôle, beau, qu'il me fait jouir, qu'il est drôle, sensible, travaillant et débrouillard comme vin. J'en ai mon voyage de me sentir coupable pour la pluie et le beau temps parce qu'il est anxieux de je sais pas quoi. Il est drôle, beau, me fait jouir. Merci de votre honnêteté face à vous-même. L'humilité, c'est ça. Voir les choses comme elles sont, se voir comme on est. Je trouve drôle, il est beau, puis il me fait jouir. Le prochain que je vais trouver, ça va prendre combien de temps avant que j'en trouve un qui est drôle, beau et me fait jouir? Ça peut aller dans 5 ans. Et ça peut aller dans 10 ans. Ah, des fois, mieux vaut ça que d'endurer quelqu'un qui prend tout le temps coupable de tout. Alors, pour ceux qui disent, oui, mais pourquoi tu t'en vas pas?
Il y a plusieurs raisons. Le lavage de cerveau, les bénéfices actuels retirés peuvent être financiers, peuvent être sexuels. Seulement les premiers mots. Il est drôle, beau, me fait jouir. Un beau qui fait jouir sa partenaire, ça court pas les rues au Québec. À nouveau, je parle à travers mon chapeau. Parce que j'ai jamais eu de relation avec des hommes. J'ai eu beaucoup de confidences, par contre. Des drôles, beaux qui font jouir leur partenaire lors de la relation sexuelle, c'est un tout petit pourcentage. Oui, mais encore là, à quel prix? À quel prix? Le prix est élevé. Être tout seul, c'est pas grave non plus, là. Avant de penser quitter, j'aime bien suggérer, surtout chez les jeunes, une confrontation verte. Ça a marché dans certains cas. Verte? C'est quoi? Oui. Sans pesticides? C'est quoi? C'est... Vertement. Ça veut dire clairement. Bien sûr, pète. Assieds-toi. Voici où j'en suis. Tel comportement, tel comportement, tel comportement, tel comportement. Finito! Puis 2 minutes. M'as-tu bien compris? Intéressant. On va aller à la pause. Au retour, nous avons Joanne et nous avons Jean-Michel en ligne. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On va aller tout de suite au téléphone. Aujourd'hui, on s'intéresse à des gens qui ont vécu ou qui ont enduré un conjoint jaloux ou une conjointe jalouse. Joanne, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Joanne. Vous m'interpellez tellement ce matin, là, ça n'a pas de bon sens. Allez-y, lâchez-vous. J'ai été mariée 22 ans avec un homme jaloux et manipulateur. À m'en détruire la santé mentale. Non. Vraiment, là. Non. Vraiment, il m'a détruit. Pendant 20 ans, là, j'ai été... Vraiment. Pourquoi vous dites non, Doc? Là, vous la connaissez même pas, Joanne. Non. Continuez. Non. Non. Okay. Il y a une partie de ce que vous venez de dire qui n'est pas vrai, mais continuez. Je vous dis non. Non, mais c'est parce qu'à force de se faire dévaloriser, c'est qu'on vient qu'on se sent pas bien dans notre peau. Et je suis devenue agoraphobe. J'étais plus capable de sortir non. Nulle part. Vous étiez pas bien dans votre peau et vous avez vécu oui. 22 ans avec cet homme-là. Mettons les choses dans le bon sens. Alors, okay. C'est pas vrai, il vous a pas démoli, vous étiez démoli. Alors, vous avez ramassé quelqu'un de votre niveau. Probablement, oui, parce que lui-même manquait beaucoup de confiance en lui. Il s'est valorisé parce qu'il avait marié une belle femme. Et je me suis encrassée dans cette relation-là pendant 22 ans. Non, vous avez grandi. Où... Vous avez grandi dans cette relation-là, vous, dans votre cas. Je prédis que vous avez probablement grandi. Probablement, parce que j'avais 21 ans. Je trouve que c'était un peu jeune pour s'embarquer, hein? À un moment donné, la lumière s'est faite. Oui. J'ai pu faire le ménage dans ma vie psychiatrique, on peut dire ça. Oui, psychologique. Et j'ai vraiment fait le ménage, je me suis fait soigner, j'ai consulté. Bon. Et j'ai trouvé le courage de m'en aller. Oui, vous avez grandi. Oui. Vous avez grandi dans votre relation. Ah, oui. J'étais un enfant, c'est vrai, oui. J'étais un enfant. Bon. Et j'avais aucune espèce de confiance en moi. On me démolit toute mon enfance, d'ailleurs. Je ne serais jamais arrivée à rien dans ma vie, moi, si j'avais... Joanne, vous ne voyez pas le visage de José. Comment ça? Non, c'est parce que c'est ça. C'est parce que je vois Doc Mayou depuis le début, vous avez cerné, là. Tu sais, vous avez. Ah oui. Puis là, ben, vous êtes en train de lui donner toutes les réponses dont il n'est pas surpris du tout, là. Bon, Joanne, c'est qui ça. Vous a démoli pendant votre enfance? Ah, oh, mais mes frères. Oh, racontez. Mes frères. J'ai 5 frères plus vieux que moi et moi, j'étais le bébé d'une famille de 7 enfants. Je suis arrivée 20 ans, entre 10 et 20 ans plus tard que tout le monde. Là. Oui. Un bébé surprise. Là, puis ma mère est décédée, j'étais très jeune. Ah. Donc, j'avais aucune espèce de référence féminine. Oh, et c'est ça.
non, ça, ça manipule beaucoup la... Élevé par qui? Élevé par qui, Joanne? Mais j'ai élevé tout seul. Oui, mais... J'ai élevé tout seul. Aviez-vous une sœur plus vieille? Parce que votre... Ben aviez... oui. Ma sœur, elle s'est mariée, j'avais un an. Ah. Elle est partie de la maison, j'avais un an, là. Ah, oui, mais qui s'est occupée de vous? Elle est revenue dans ma vie, j'avais une quinzaine d'années, j'étais orpheline. Mais là, c'est qui vous berçait? C'est qui vous donnait le biberon? C'est qui vous amenait à l'école, qui vous faisait vos lunchs? Ben moi, à partir de l'âge de 8 ans, là, j'étais autonome, là. J'allais magasiner mes costumes d'école chez Paquette, là, comme tout le monde, chez Polac. Puis, j'étais toute seule. Il n'y a personne qui s'occupait de moi. Personne. Aïe. Fait que, disons que ça, pour la confiance en soi, là, disons que tu n'as pas de bonne base. Joanne, oui. De 1 an à 8 ans, qui s'occupait de vous au quotidien? Ma mère s'occupait de moi, mais elle a tombé malade très, très jeune. Ah, oh, OK. J'avais compris qu'elle était décédée, que vous aviez 1 an. Oui, moi aussi. Non, c'est ma soeur qui est partie de la maison pour se marier. J'avais 1 an. Mais votre mère est décédée, vous aviez quel âge? 11 ans, 12 ans. Je venais juste d'avoir 12 ans. Mais elle était malade. Quelle maladie a-t-elle eu? Elle a eu un cancer du col de l'utérus. Cancer du col, oui. Je me sentais coupable parce que... Attendez, Joanne. Je me sentais coupable du fait qu'elle est morte de tout ça. Joanne, laissez avec culpabilité. On veut les faits d'abord. On veut vous suivre, vous comprendre. Oui, allez-y. Alors... elle était combien d'années malade de son cancer du col? Ça a duré combien d'années, ça, le cancer? 2 ans. J'avais 10 ans quand elle a commencé à avoir des symptômes. Là, est-ce que de 1 à 10 ans, est-ce qu'elle était en santé, votre mère? Bien, ma mère, c'est une personne qui était excessivement anxieuse. Pour un point de vue psychologique, elle était une personne qui faisait beaucoup d'anxiété. Mais, point de vue physique, non. Elle n'était pas en santé. Joanne, elle n'était pas en santé. Oui, mais après, Joanne, ça, elle ne prenait pas soin d'elle. Oui. Joanne, quel genre de mère a-t-elle été avant d'avoir un cancer? Oh, c'était une mère très, très colleuse, généreuse avec moi. C'était une femme qui avait un sens de l'humour très poussé, mais elle avait été très, très maltraitée par mon père. Bon, on y arrive. Oui. On y arrive, hein? C'est-à-dire? Ben, c'était un homme qui était alcoolique. Mm-hmm. Il s'occupait jamais d'elle. Mm-hmm. Il la laissait tout le temps tout seul à la maison avec les 7 mousses. Oui. Et puis, elle a mangé ses bas beaucoup. Quand elle est tombée enceinte de moi, elle avait 42 ans, à peu près 42-43 ans. Mm-hmm. Et là, mon père, il a comme tombé en amour un peu avec elle. Ben, tout le monde, il disait, hey, écoute, ta femme a 42 ans, avoir un enfant. Ça lui donnait comme du prestige à lui. Là, il a commencé à regarder ma mère un peu. Oui, pour d'autres raisons. C'est pour d'autres raisons qu'il sentait qu'elle pouvait... Il l'a engrossée parce que je pense qu'elle devait commencer à regarder ailleurs. Ben, je pense que mes tantes disaient à ma mère, pourquoi tu ne le laisses pas, tu pourrais être bien tout seul avec les enfants. Alors peut-être que ça, mais moi j'étais pas là, là. Fait que je peux. Mais ma soeur, mes frères m'en ont parlé un petit peu. Là. Mais vous souvenez de votre mère comme étant affectueuse, chaleureuse avec vous? Ah oui. Elle avait les meilleurs bras pour sa côté qu'il n'y avait pas au monde. Joanne, oui. Bouillie pour les chats. Écoutez, vous avez rendu José dubitative. Pensez-vous que je vais vous croire que votre mère était maternelle? Oui, mais elle était. Ben, c'était. Disons que chez nous, les je t'aime, ça n'existait pas, là. Fallait que j'y demande, est-ce que tu m'aimes, maman? Bon. Alors, quand un enfant demande à sa mère, une petite fille demande à sa mère si elle l'aime, pourquoi fait-elle ça si sa mère est colleuse et généreuse? Ben, quand je la collais, elle me collait, là. Je veux dire, elle ne faisait pas d'elle-même, mais elle me collait. Quand je lui demandais de me coller, elle me berçait, oui. Mais ça ne venait pas d'elle-même. Elle ne venait pas d'elle-même. Ouais. Non. Alors, les frères, qu'est-il arrivé avec les frères maintenant? Oh mon Dieu Seigneur. Non, laisse faire le mon Dieu Seigneur, là. Disons que, je sais pas, ils m'ont laissé, ils me disaient des bêtises, là. Bon, j'étais grossouillette, j'ai grandi très très rapidement, moi, j'ai développé très rapidement. Donc, on me disait, tu es trop grosse, tu ne te marieras jamais, tu n'auras jamais personne dans ta vie. Ça vient de loin, là. Étiez-vous jolie? Étiez-vous jolie? Vous traitez de grassette, etc. Étiez-vous belle? Oui, j'étais une belle fille. Bon. J'étais une belle fille. Même à 63 ans, j'étais encore une belle femme. Une belle femme. Vous étiez belle jeune.
quel lien qu'il y a entre le dénigrement de vos frères et votre beauté? Parce que ma mère était une personne qui était très forte. Elle avait eu 7 enfants, fait qu'elle était plutôt ronde, là. Et puis mes frères n'aimaient pas les femmes rondes. Fait qu'ils me voyaient grandir en me formant puis en me développant, puis ils ne voulaient pas que je devienne grosse. Mais ça a fait le contraire, parce que quand tu essayes de dire à quelqu'un de ne pas manger, ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger. Tu sais, c'est ça. C'est pas. Non, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie parce que j'étais une personne très gênée, alors, très timide. Joanne. Mm-hmm. Dans toutes ces confidences. Oui. Il y a une chose. Oui. Pour des raisons X, vous étiez démolie depuis l'enfance. Oui. Donc, très vulnérable aux démolisseurs. Absolument. Et je cherchais la sécurité. Pendant 22 ans de vie commune, vous avez réussi à grandir avec un jaloux manipulateur. Oh, imagine. Jaloux, ça n'avait pas de bon sens. Qu'avait-il comme qualité qui vous a permis de grandir? C'était pas un homme qui était courageux. Il ramenait sa paye à la maison, il était travaillant. Je veux dire, il était pas violent non plus, là. Mais c'était un homme qui, c'était pas un homme qui était vraiment beau. Mais il avait un bon travail, puis il avait le goût de fonder une famille. Il faut pas s'oublier que dans les années 70. Pourquoi dites-vous qu'il n'était pas vraiment beau? Est-ce qu'il vous faisait lubrifier? Pas tout. C'était pas un homme qui était. Vous savez, Joanne, vous venez de rire. Oui. Et au nom de tous les hommes. Oui. Qui ne sont pas objets de désirs sexuels de par leur conjointe, je trouve ça triste. C'est triste. C'est effectivement triste. Oui. On va devoir s'acquitter là-dessus, Joanne. Merci beaucoup d'avoir appelé Joanne. Mais c'est ça. Mais en tout cas, il y a un livre que je recommande à beaucoup de femmes. Joanne, laissez faire vos recommandations. Le panier est plein, la table est pleine, là, c'est assez. Commencez par appliquer, continuez de grandir, puis laissez faire vos recommandations sociétales. Bye, Joanne. On va à la pause là-dessus. Déjà, la dernière partie de l'émission au retour. Avez-vous déjà été avec un jaloux possessif contrôlant ou une femme de ce genre? Mais ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi vous l'avez enduré. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mailloux et José Arsenault. Le Doc Mailloux et José, c'est le Doc et José au réseau Cogeco. Comment expliquez-vous que vous ayez enduré une jalouse ou un contrôlant possessif? On a Jean-Michel de Gatineau. Bonjour. Oui, bonjour. Jean-Michel. Oui. On vous écoute? Moi, je suis un gars de 35 ans. Ma blonde, elle a 25 ans. On est un couple que physiquement, on paraît très bien. Sexuellement, on est épanoui, on est satisfait des deux côtés. Mais madame est extrêmement jalouse. On est encore ensemble, présentement. Elle travaille dans un bar. Moi, je suis construction. Mais elle est tellement jalouse si je regarde la porno, jalouse. On écoute un film. Si la fille est belle, je pense un commentaire, si la fille est belle, c'est elle prend pas. Je comprends pas, là, elle est super belle, la fille, là. Elle a tout pour elle, mais elle manque de confiance. Elle me dit qu'elle s'est déjà fait tromper dans le passé. Fait que je me dis peut-être que c'est pour ça, mais. Ben non. C'est ça. Ben non. Qu'est-ce qu'elle fait dans le bar où elle travaille? C'est une bartender. Pardon? C'est un club de danseuses. Puis elle prend pas si je vais dans un club de danseuses. Elle aime pas ça du tout. Que je m'empêche pas de le faire parce que je comprends pas. Je donne pas de raison. Elle a jamais eu de raison d'être jalouse de moi. Elle m'a jamais pogné à faire quelque chose ou whatever. Allez-vous dans un club de danseuses? Moi, assez régulièrement, oui. À quelle fréquence? Ben, j'ai travaillé là-dedans, j'ai travaillé comme bandit pendant une dizaine d'années dans un club. Je connais mon milieu et il se tient pas mal là-dedans. Oui. Puis quand vous allez dans un club de danseuses, vous allez là pourquoi?
pour socialiser avec mes amis. Socialiser avec les amis. Ça, c'est ce que vous dites à elle, là. Pour nous, là, c'est quoi la vraie raison? Pardon? J'ai dit socialiser avec les amis, c'est ça que les gars disent à leur conjointe, là. C'est ça que vous dites à votre blonde. Mais la réalité, c'est quoi? Pourquoi vous allez là? Ben, c'est vraiment pour ça. Mes amis sont là. Je me souviens pas la dernière fois que je regardais un stage de danseuse, tu sais, mettons. Pour moi, c'est j'ai tellement vu que ça s'est Ouais, le plus loin que vous êtes allé dans un club de danseuse, c'est quoi? Auparavant, avant que je travaille dans le milieu, c'est sûr que j'allais prendre des danses, des choses comme ça, là. Quelle était ma question, cher Jean-Michel? Oui. C'était quoi la question que vous s'est posée? Ben, jusqu'à quel point j'ai été dans un club, ouais. Non. On n'écoute pas fort. Jusqu'où vous êtes allé dans les services sexuels exigés, payés, dans un club de danseuses? Est-ce que la question est claire? Allez-vous finir par comprendre? Oui. Alors, oui. Jusqu'où vous êtes allé? Je n'ai jamais payé pour des danses, non. Ah, jamais plus que ça. Les isoloirs, puis les branlettes, ces choses-là? Non, je ne payais pas pour ça. Non, je ne faisais pas ça. OK, alors vous... Tout le nombre d'années que j'ai travaillé dans le club de danseuses même, j'ai fréquenté deux danseuses là, dans ces années-là. Ma part là-dessus, d'être. Vous les avez fréquentées dans le club ou en dehors du club? En dehors du club. Oui. Mais pourquoi vous appelez? Parce qu'en ce moment, que tellement qu'elle est jalouse, je comprends pas pourquoi elle est jalouse, mais c'est que là, je m'en viens, genre, jaloux, moi aussi. Ça c'est comme, elle me fait des crises pour des, tu sais, mettons, elle check tout ce que je fais, mais là, moi, je commence à embarquer là-dedans aussi. C'est ça qui me dérange. Je n'étais pas quelqu'un de jaloux, mais moi, je me sens pas bien à être jaloux comme ça. Tu vis pas bien quand t'es jaloux, là. Autant que l'autre, tu peux faire subir comme, tu fais subir l'autre. Oui, de la jalousie, mais ça, c'est toi-même qui te sens pas bien là-dedans. Là. Avec enfant ou pas d'enfant? Moi, j'ai un enfant sur mon côté. Ça c'est au début de tout ça, ça l'a été. Ça aussi, ça n'a pas aidé. Je fais du cocadon, mais au début, quand j'ai fréquenté, je finissais la relation avec la mère de mon petit. Elle a comme été pas maîtresse, mais quasiment. Puis après ça, on a continué notre relation, moi et elle. Là. Votre enfant a quel âge, quel genre? Il a 6 ans maintenant. Garçon, fille? Un garçon. Un garçon de 6 ans. Quelle est la relation que votre fils de 6 ans a avec votre compagne actuelle? Ah, ça va super bien. Ils s'entendent très bien. On passe beaucoup de temps ensemble. Puis, ça va super bien. Ouais. Comment ça se fait que si tout va bien, est de plus en plus jalouse, extrêmement jalouse. C'est ça que je comprends pas. Ouais. C'est vraiment, c'est ça que je comprends pas, parce que je donne pas les raisons pour, mais elle est comme, elle est vraiment jalouse. Est-ce qu'elle vous a parlé un peu de son passé, Jean-Michel? Oui, un peu, oui. Ouais. Ouais, elle a eu un chum, son premier vrai chum. Non, Jean-Michel, laisse faire les chums, là. OK. Parents, milieu familial. Est-ce que cette femme-là a vécu de la misère psychologique ou sociale? Ah non, pour le vrai, leur famille, je connais très bien son père et sa mère, puis c'est une famille vraiment... sont très ouverts, elle parle avec son père, elle est plus ouverte à son père, là. Mais son père, je peux pas rien dire contre lui, là. Sont très ouverts, ils demandent d'affection, ils ont pas peur de se parler de rien. Puis elle est bonne mère. Oui, oui. Alors, les bonnes familles sont maintenant le genre de famille qui vont inciter leurs enfants à être bonnes mères. Elle est au cégep aussi, là. OK, elle est barmaid puis au cégep. Ouais. Ah bon, OK. Oui, c'est ça. OK. Mais tout va bien. Alors, elle utilise son travail de barmaid pour payer ses études et son loyer. Son père va-t-il l'avoir travaillé des fois? Son père, non. Non, son père, il aime pas ce milieu-là. Comme lui, il n'est pas en accord. Comme il baigne. Au début, il était très nerveux qu'elle travaille dans un club comme ça. Là, parce que... Mais...
C'est sûr que ça n'a pas de... Mais il est très ouvert, avez-vous dit. Très ouvert, mais ouais, il est fermé. Oui. Okay. Ouais, ouais. C'est pas évident, votre histoire. On s'en va où avec ça, le 25 ans? Écoute, à quelle honneur qu'à 25 ans, t'es encore au cégep? Elle a eu comme hygiéniste dentaire, mais ça marchait pas pour elle. Là, elle veut aller en pharmacie. Ah? Ouais. Elle veut devenir pharmacienne? Comme elle a... Ouais. La drogue, dans son cas, qu'est-ce que vous savez? Cannabis, amphétamine, speed, cocaïne? Non. Êtes-vous sûr? Oui. Ah bon? Ouais. Vous? C'est... Vous, drogue? Ben, bon, non, pas trop, non. Pas trop. Non, c'est sûr, j'ai eu mes soirées, là, mais je veux dire, non. Pardon? C'est pas... Comment? J'ai eu mes soirées, là. De? On est certains des parties, là, je veux dire, ça arrive, là, des fois, là, mais... Des parties de? Ben, parties, là, que tout va, là, mais là, comme on fume du pot de temps en temps, là. La poudre? Oui, ça a déjà arrivé, oui. Ça a déjà arrivé. OK, c'est pas facile, je sais pas. Je suis un peu pantois, Jean-Michel. Ouais. Vous êtes un bon raconteur. Ça, vous avez le verbe facile. Oui. C'est juste ça, là. Je veux dire, moi, je deal avec ça, mais c'est juste, je me demande. C'est-tu normal d'être jaloux avant de regarder du porn sur mon téléphone? Là. Oui. C'est d'en faire une grosse crise. Moi, à 25 ans, que lorsque le conjoint de 35 regarde la porno sur son téléphone, écoute, ça la déstabilise un petit brin, là. Puis, écoute, est-ce qu'elle est jolie? Est-ce que c'est une femme qui est attrayante? Extrêmement jolie. Extrêmement jolie. Est-ce qu'elle se fait crouser un peu ou c'est une gang d'éteintes? Ben oui, ben tout le temps. Oh, elle se fait crouser tout le temps. Ben oui. Pauvre petite bête. La question de fée-fille, là, mais c'est si belle que ça, ça vous tente pas de vous exciter avec elle à la place? Ben oui, mais... Il n'y a pas de problème là du tout. Là. Non, mais vous questionnez parce qu'elle n'aime pas que vous regardiez de la pointe sur votre téléphone. Mais c'est si belle que ça. Ben, ça arrive, ça. Là. Pourquoi vous avez besoin de ça? Mais c'est pas que j'ai besoin de ça, mais il n'y a pas un gars qui regarde pas de la pointe sur son téléphone. Là. Ben, Jean-Michel... Malheureusement, je vais devoir vous annoncer, c'est vrai que je suis vieux et décrépit, là. J'ai jamais regardé de porno sur mon téléphone, je ne sais même pas comment faire. Vous êtes okay, alors là, avant de généraliser pour tous les hommes, il n'y a pas. Quelle est l'ignominie, la grossièreté que vous avez dit? Il n'y a pas un homme qui n'a pas regardé de la porno sur son téléphone. Vous avez dit ça? Ouais. Allez réfléchir un peu. Faites attention à ce que vous dites, OK? C'est tout le temps qu'on a. On pourrait l'approfondir, ce sujet-là. Une autre idée? C'est ce qui complète notre émission. Je veux remercier Olivier pour tout son travail. Ton travail, c'est sa dernière journée avec nous aujourd'hui. Il entreprend un nouveau défi dès lundi. Merci beaucoup, Olivier. Oui, merci, Olivier. Merci beaucoup, Benjamin, à la mise en onde. Doc, passez un très beau week-end. On se retrouve lundi. Bye-bye. Bye. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mailloux et José, avec le Doc et José Arsenault, au réseau Cogeco.